Bonjour, assalamu alaikum. Marhaba bikoum dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire de la vermicelle avec de la sauce. C'est un repas facile, sans viande. On a besoin de la vermicelle. Un peu grosse. Pas trop grosse, pas trop fine. Nisf basla, une tomatine. J'ai mis 250 g de la vermicelle. Moitié basla, une tomatine. 250 g de la vermicelle. Et on va passer à la préparation. Il y a de la vermicelle comme ça. Vermicelle un peu fine. Mais il y en a celle-là un petit peu plus grosse. Dites nips basla. Et je vais les mixer. J'ai pris tangera ou une gamelle. On va mettre 2 cuillères de l'huile. On va mettre un peu de beurre. Je vais mettre un zoubda. Et le bsal. Je vais mettre 2 cuillères à soupe. Et je vais les laisser frire. Tout doucement. Un peu de sel. Je vais mettre le sel. Voilà, le bsal, il est bien frire. Chahar, je l'ai tout chahar longtemps, je l'ai tout bzef. Là, je viens de tomater. J'ai rajouté de la tomate. Je vais mettre des paprikas, du curcuma, du poivre et du sel. Sel à la hasab douk. Moi, je vais rajouter un peu de bouillon de légumes. Et les salés, je vais mettre que la moitié. 800 ml de l'eau chaude. Mais ça affine. Et je vais rajouter voilà, je vais le bsal et la sauce un petit peu. Le bsal qui est pété. Moi, j'en ai des tomates fraîches en boîte. Je vais mettre deux malqas kbar. Je vais les laisser cuire 10 minutes. On va les laisser cuire 10 minutes.
Je vais rajouter de l'eau chaude. Ma sahin, mei sahin, 100 millilitres de l'eau. Voilà, les pâtes, elle est prête. Si on veut rajouter un petit morceau de beurre, on rajoute. On le mange comme ça. Si on veut du gruyère, on rajoute du gruyère. Kif habina. Voilà. Isha khafif. Pour le soir, c'est très bien. Saha wa raha et bon appétit. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Facile et rapide.